salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui sur Destiny, le roi des corrompus. C'est parti! Et nous voici sur la map Frontière, voilà une des nouvelles maps du pack du roi des corrompus. Alors du pack, de l'extension, le roi des corrompus sur Destiny qui vient de sortir aujourd'hui, 15 septembre. Et voilà, j'avais vraiment envie de jouer à ce mode de jeu qui s'appelle Faille, où c'était Rift en anglais. Et c'est simple, j'avais présenté un petit peu le mode de jeu sur ma vidéo Destiny ce week-end, où il y a une faille au milieu, voilà, bam, et tu dois la récupérer et la mettre dans le camp ennemi. Et en plus j'adore cette map-là parce que l'affrontement est direct, vous allez voir, la charge est au milieu, alors c'est la charge qu'il faut mettre dans la faille. Et directement, bam, on se retrouve avec un affrontement. Wouh! Allez, c'est parti, un kill plus une assist. Et voilà. Oh mais attends, on se cache. Et vraiment j'adore cette map là avec le couloir qu'il y a. Et d'autant plus avec le sniper, il y a vraiment moyen de faire merde enfoiré, des bons petits kills. Et donc voilà, donc il y a sur cette extension là, il y a des raids, il y a des missions, etc. Sur la vidéo que j'avais faite justement ce week-end, j'avais dit que c'était des raids alors que c'était autre chose. Et il y a des gens qui sont montés un petit peu sur leur grand chevaux en disant ouais Skyros, t'y connais rien, etc. On s'excuse. Bon ouais, c'est vrai que je geek pas à mort sur Destiny, bon ça peut arriver de se tromper, mais effectivement, bon bah de toute façon vous avez compris de quoi il s'agissait, c'est l'important, mince enfoiré, bien joué. Et donc voilà, il y a pas mal de missions, des raids, etc. Il y a un gros mode histoire en plus. Et en plus de ça, nous avons le multijoueur. Des nouvelles maps, des nouveaux personnages, des nouveaux modes de jeu. Et ça, c'est plutôt kiffant. Alors, si je me trompe pas, là encore une fois, j'ai eu une information, donc je pense qu'elle est bonne. J'espère en tout cas, si je me trompe pas, les maps et modes de jeu sont accessibles pour le moment à tout le monde. Et ils sont disponibles seulement une semaine. Voilà, et après, passer de cette semaine-là... Allez, tue-moi tout ça. Passer de cette semaine-là, il faudra l'extension Le Roi des Corrompus pour pouvoir y jouer. Voilà, donc si je me trompe pas, c'est à peu près ça. Rectifier si je me suis trompé. Mais ce qui est plutôt positif, voilà, comme ça vous pouvez y jouer. Voilà, bon, c'est pas facile de parler tout en jouant comme ça, c'est de se concentrer surtout. Bon, bah, Destiny, j'y ai joué un petit peu, mais pas forcément énormément. J'ai pas mal geeké hier, histoire de m'entraîner un petit peu, level 25, ça fait plaisir. De toute façon, hop, attends, parce que là, je vais reprendre un petit peu de vie. Allez, bordel! Et de toute façon, alors j'étais pas atteint niveau 25 exactement, mais avec l'extension Le Roi des Corrompus, il te donne une orbe qui t'amène directement au niveau 25, donc c'était plutôt pas mal pour toutes les personnes qui n'ont pas eu malheureusement l'opportunité de geeker un peu le jeu, d'être au moins à niveau, voilà. Porteur ennemi. Allez, crève, voilà. Voilà, ok, merci. Donc, il faut peut-être arriver à gagner et mettre la charge dans le camp ennemi. Parce que jusqu'à maintenant, je m'en suis pas trop préoccupé. Voilà. Ah merde, j'ai pas encore ma grenade. Attends, je vais essayer mon petit couteau de lancer. Merde, il est mouru. Allez, la charge. Viens là, grenade. Allez. Petit frac, en plein dans le mille. Est disponible. Ah. Merde! Ah, il m'a tué avec son orbe. Voilà, donc ça fait partie des nouveaux personnages qu'on a disponibles justement dans l'extension Le Roi des Corrompus. Alors pour ma part, je crois que j'en ai pas beaucoup. Voilà, bon, j'ai ceux de départ. Il faudra que je débloque les autres. Voilà, effectivement. Donc justement, cette orbe permet, j'imagine, de créer un nouveau personnage et d'arriver jusqu'au niveau 25, si je me trompe pas. Donc encore une fois, ça vous le savez peut-être. Hein, bon, ça, je l'ai déjà dit. Je suis pas expert à 100% sur Destiny. Et c'est surtout qu'il y a énormément de choses sur ce jeu là, c'est vraiment incroyable. Donc on s'y perd un petit peu quand on n'y passe pas énormément de temps. Mais en tout cas, à chaque fois que je vais sur Destiny, c'est à chaque fois un kiff. Franchement, j'adore jouer sur ce jeu-là. J'y joue pas énormément parce que je m'y perds un petit peu sur tout ce qu'il y a à faire. Et je suis pas très bon, hein, faut avouer. Bon, c'est pour ça que je devrais peut-être m'entraîner. Ah, voilà, le super chargé. Justement, il y avait un mode de jeu. Je l'ai pas trouvé là. Ils ont peut-être dû mettre en pause. Je sais pas pourquoi. Allez, crève, voilà. Vengeance, interruption du porteur d'ennemis. Merde, j'aurais dû mettre mon spécialiste. Ah, c'est à ce moment-là. Et un mode de jeu où tu débloques justement ton spécialiste vraiment super vite. Et ça permet quasiment de faire d'avoir ton spécialiste qui tourne justement super vite, quasiment tout le temps. Et c'est un mode de jeu, waouh, ça explose dans tous les sens. Et justement, suivant la spécialité de certains joueurs, et ça permet de pouvoir avoir un mode de jeu explosif. Et c'est vraiment sympa. Alors là, justement, je vais occuper mon petit spécialiste. Voilà. Double frag. Oh, pas le triple frag! Oh bordel, non, tu rigoles!
Allez, je prends l'orbe. Non, il a pris à ma place. Ah, bien joué. Ah, lui, justement, il était bien calé, là, avec son petit spécialiste. Il nous a tous fumés. Oh, allez, vite, dépêche-toi, reviens, Léon. Parce que tu gagnes des points quand tu ramènes la faille dans le camp ennemi, mais également tu gagnes des points en portant la faille et en faisant une distance avec. Donc c'est pas simplement en prenant la charge et la ramenant dans la faille ennemie. Voilà, donc c'est un petit peu des deux, donc finalement tant mieux. Bah oui, finalement... Ah non. Putain. Ah l'enfoiré, ils étaient trois. Oh, calmez-vous sur moi un peu là. Bon. À l'étincelle disponible. Allez, go, on y va. Le porteur s'est emparé. Alors, j'ai des petites missions de snipe, donc je vais essayer quand même de mettre dans le couloir et de les shooter dans l'alignement. Votre porteur d'étincelle. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas la précision encore. C'est un semi-automatique, mais il y a un putain de recul. C'est pas vraiment évident à bien gérer. Hein. L'étincelle se charge. L'étincelle se charge, allez. Viens dans ce côté-là. Je vous aligne. Merde, recharge. L'étincelle est arrivée. Des munitions lourdes arrivent. Je l'ai eu, je l'ai touché, putain. Et il faut vraiment bien tirer dans la tête hein, pour. Allez, je prends l'étincelle. Voilà. Vous avez pris l'étincelle. Courez vers la faille. Mais oui, j'y vais, j'y cours. Merde, putain, j'ai pris le triple saut pourtant, mais. Bon, voilà, les go, on va essayer de poser quand même. Ne vous arrêtez surtout pas. Merde. Parce que je crois qu'il y a un mec là-haut. Oh, il m'a eu. Pff, avec le pompe, putain. Il fait mal, le pompe. J'aurais dû faire un petit... J'étais trop précipité, j'aurais dû faire un petit zup comme ça. Mais ça nous a permis de nous mettre quand même en victoire, et de peu. Donc, allez, on va essayer de maintenir ça. Chargement de l'étincelle. Allez, putain, prends-le mon petit couteau de lancer là. Ah, il était bon pour toi pourtant, mets la grenade. Et à chaque fois il vient là lui. Je devrais faire la même technique, mais je veux attaquer quand même le beefsteak. Hein, mais on peut voir quand même que les maps sont pas très grandes, voilà. L'action est là, le mode de jeu est vraiment super dynamique. Même s'il y a un petit temps de réapparition, il y a un petit délai, on peut dire qu'on est loin de se faire chier sur ce mode de jeu. Allez, vite. Bah, à chaque fois, j'arrive pas à faire plus d'un kill. Tu vois, dès que je vais faire un kill, j'ai pas le truc nécessaire pour faire le kill d'après, quoi. C'est un petit peu dommage. Bon, je vois sur la liste quand même, je suis premier. Donc, je suis quand même assez surpris. Allez, on va essayer de récupérer la charge. Et en plus, j'arrive à être premier plus la victoire. Je ne comprends pas. L'étincelle est disponible. Allez, crevez la bande d'enfoirés. Merde. Effectivement, le rechargement, et c'est là que je devrais basculer justement sur le sniper pour essayer de le shooter, et ça serait assez stylé. Est-ce que j'ai des munitions? Ouais, j'ai des munitions, c'est bon, c'est chargé. Faut surtout pas qu'il prenne la... qu'il récupère, là, putain. L'ennemi à l'étincelle, elle est où? Ah non, c'est bon, ils l'ont tué. Putain, et là, voilà, ils ont pris l'étincelle, donc ils ont repris du point. Faut arriver à prendre l'étincelle et faire une petite distance avec au moins pour récupérer du point. Allez, je m'en fous, je fonce dans le tas. Nique sa mère le reste. Putain, elle est où là? Elle est pas encore là! L'étincelle est prête. Ah, comme par hasard! Non, enfoiré va. Bah. Allez, putain, mais c'est... Ah, j'aurais dû attendre, ah, putain. J'ai pas vu le chronomètre pourtant. Ah ouais, il est marqué récupérer, ouais. Faut peut-être attendre que ça écrive récupérer. C'est un peu ma faute. Ah, bien joué. Vas-y, récupère-la, mon pote. Allez. Il est où, lui? C'est juste que sur la minimap, c'est pas vraiment clair, en tout cas, où est-ce qu'il est le porteur. L'étincelle se charge. Ah, l'étincelle se charge. Mec, il a dû se faire shooter direct. Je vais utiliser mon super, quand même, dans le couloir. Bah, attends, il y a l'autre, là-haut, le tétard, il doit être encore... Non, il est crevé, hein. Munitions lourdes disponibles. Allez. L'étincelle est disponible. Voilà, l'étincelle est dispo. Je vais essayer. Putain, je vais. Voilà. Je vais essayer en amont de les niquer. Voilà, viens là. Double dose. Voilà, allez, mes amis.
Prenez l'étincelle, venez dans le camp. Et merde! Ah, il lui restait rien! Il lui restait rien! Ah non! Ah là, c'est bon, il a pris l'étincelle. Va la placer, mon pote. Ah, il l'a perdu. Il a perdu, mais c'est pas grave, on a quand même récupéré du point. Putain, c'est serré, c'est vraiment serré. Mais voilà, c'était la bonne stratégie de prendre mon super, d'aller dans leur camp. Allez, prenez l'étincelle, posez-la. Chargement de l'étincelle. Ah, il m'a eu! Bien joué! Ah! Allez, vite. On a vraiment. Ça joue à un poil de zboub. L'étincelle est arrivée. On va. Votre équipe a trouvé son porteur. Yes. Oh l'enfoiré! Putain, mais comment il chute trop grave son fusil à pompe, c'est incroyable! Je veux le même! Moi, quand je prends le fusil à pompe, je mets au moins 3 balles, j'ai du mal avec. Vous avez perdu l'avantage. Ah, comment ça, on a perdu l'avantage? Deux. Vous passez en tête. Ah, on passe en tête. L'étincelle se charge. Allez. On va essayer. Je vais faire comme l'autre là, je vais mettre là, voilà. Vous n'êtes plus en tête. Oh l'enfoiré, il m'a eu! Hey, il m'a élevé, il m'a. J'ai à peine montré mon œil, le mec il m'a dégommé. L'étincelle est prête. Oh l'enfoiré, bien joué. Putain, je suis mauvais hein. Vraiment. Allez, on va essayer de récupérer l'étincelle. On est en tête. Une minute. Ah, il fait mal, je l'ai niqué. Allez, dégage de là. Ça, c'est une Semtex, normalement ça arrive, ça explose quand le mec il arrive devant. Allez, il me reste 2 balles dedans. J'ai le bon angle, ça se trouve ça peut faire mouche. Faut bien viser la tête. Chargement de l'étincelle. Voilà, chargement de l'étincelle. Quelques secondes. Il faut arriver à la récupérer, hein. J'espère qu'il y a personne qui va faire un petit malin qui va arriver par là. 30 secondes. Oh la vache! Allez, casse-toi, Bolos! Allez, on la prend! Allez, on se barre! Vous avez l'étincelle. Déclenchez la faille. Voilà, je pars par là. On fait un max de points. On récupère, on garde l'étincelle. Gardez. Attention, je jette le couteau si je touche un mec. Ah, l'enfoiré, il m'a niqué! Je m'en bats les couilles, on a fait du point, mon pote. C'est bientôt fini. Il reste 5 secondes, on va gagner. Aïe, aïe, aïe! À très peu là. 3, 2, 1. BAM! On a gagné la victoire! Ce type de talent en dehors de la tour et vous irez loin. Oui! Oh, ça fait plaisir, mon pote, ça fait plaisir. Voilà, on a gagné, on les a éclatés. Non, c'était vraiment serré, mais ça fait plaisir. Voilà, des matchs comme ça, des jeux comme ça, ça fait tellement plaisir. Voilà, on s'amuse, je le répéterai jamais assez, on s'amuse vraiment sur Destiny. Et à chaque fois que j'y vais, je regrette de pas jouer plus que ça. Mais c'est... hier j'ai geeké dessus. Je pense que ça se voit peut-être parce que j'ai fait un peu plus de frags que d'habitude. Mais voilà, vraiment, je me suis amusé. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis. Voilà, un commentaire, un pouce vert, un like, ça fait plaisir. C'est la récompense. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Que du meilleur comme d'autres choses. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, bye bye.